Un adolescent de 17 ans a été accusé du meurtre au premier degré de Daphné Jolivet. Cette jeune femme de 19 ans qui a été retrouvée sans vie dans son domicile le 26 octobre dernier. Et Sébastien, le jeune homme avait été arrêté, on s'en rappelle, peu de temps après le meurtre, pour conduite avec les facultés affaiblies et vol de véhicule aussi. Absolument. Et c'est un développement important dans le déroulement de cette enquête que l'arrestation du jeune de 17 ans et du dépôt des accusations ce matin de meurtre au premier degré d'agression sexuelle armée sur Daphné Jolivet, 19 ans, et de tentative de meurtre et de voies de fait graves sur un autre adolescent de 16 ans. Il y a eu comparution ce matin à la Chambre jeunesse de la Cour du Québec. Et effectivement, c'est le même individu qui était au volant d'un véhicule volé alors qu'il le conduisait en état d'ébriété. Véhicule volé qui était lié à l'adresse de Daphné Jolivet. Et c'est ce qui a conduit donc les policiers à cette résidence pour y faire la découverte des deux corps. Maintenant, compte tenu de la gravité des gestes, la Couronne demande à ce qu'on impose aux suspects une peine aux adultes. On écoute le procureur. C'est l'excellent travail là, des policiers de la Ville de Québec ainsi que du laboratoire des sciences judiciaires médico-légales qui nous permet le dépôt d'accusation. Alors, considérant la gravité des délits, la gravité là, des gestes, le ministère public a décidé de déposer, alors, ce qui est l'exception en vertu de la loi sur la justice pénale pour adolescents, une demande pour que si l'adolescent est déclaré coupable, qu'il soit assujetti à une peine aux adultes. Bon, l'enquête démontre aussi que le suspect aurait agi seul, qu'il n'y avait pas de lien entre l'agresseur et les victimes. Pas de lien avec les victimes, est-ce que ça veut dire que ça relève uniquement du fruit du hasard, réaction du directeur du service de police de la Ville de Québec? Moi, je n'irais pas à dire que c'est un pur hasard. L'enquête, le procès, va venir démontrer certains faits à la population en temps opportun sur est-ce que ces gens-là se sont déjà croisés à quelque part, se sont déjà rencontrés à quelque part, se sont déjà vus. C'est des éléments qui vont possiblement ressortir en cours de procès. Une enquête criminelle pour un meurtre, une agression sexuelle armée puis une tentative de meurtre, des voies de fait graves, résolues en 3 semaines, moi, pour moi, là, c'est un succès là, pour le déroulement de l'enquête. Mais il nous reste des choses à valider encore, il nous reste des choses à avancer dans l'enquête.